أنا صحيح مش قايلة لحد يعني إني أنا باجي هيك مكان، بس أنا مقتنعة فيه. يعني أنا طرحت فكرة مثلا على أكثر من رفقاتي مثلا، فقالت لي ما شو بدك بهالشغلة أنت، ليه ماله عقلك، عقلك منيح؟ ولا أنا عقلي عارفيته منيح، بس أنا نفسي ما منيحة، يعني نفسي تعبانة. La famille d'Amira a fui la Palestine il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, la maman née au Liban jongle avec ses souffrances, ce passé qui est toujours là, et le présent, l'éducation de ses enfants. Au Liban, dans ce camp de réfugiés à la périphérie de Beyrouth, beaucoup de tabous, de non-dits, d'angoisses. Ce matin, chez MSF, pour sa 17e session avec la psychologue, Amira revient sur ses troubles qui la paralysent. زي ما انا ايدي بتجعني بروح عند الحكيم، او صدري بيجعني كمان، انا زي ما بيقولوا نفسي بتجعني او روحي بتجعني، فاكيد بدي حكيم اذا انا مش قادره اعالجها. يعني انا بالنسبه الي يمكن بعتبر حياتي مرقت يعني خلص، بس اكثر شيء عم حاول اسس الاسره اللي انا عايشه فيها. انا ما بدي بناتي او اولادي يكونوا مثلي. Amira dit qu'elle va mieux grâce à ses séances de soutien psychologique. Elle est l'une des rares mamans à avoir brisé un tabou, celui de vouloir soigner ses tourments. Ici, dans le camp à Bourj al-Barajne, plus de 18 000 personnes vivent sur 1 km². En majorité, des réfugiés palestiniens et des Libanais. La vie est supportable car moins chère, mais le camp est surpeuplé. Auprès des plus vulnérables, dans le camp le plus dense de Beyrouth, MSF a choisi d'offrir une aide à la souffrance psychique. On essaye vraiment de restaurer la capacité de ces patients à faire face aux événements difficiles de leur vie. Après, on peut aussi voir ça en termes de population, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du camp, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont montrer des signes de souffrance psychologique. Il y a un nombre déjà plus restreint qui va vraiment correspondre à un diagnostic psychiatrique. Et à l'intérieur de ceux-là, il y a un nombre encore plus petit qui a vraiment des problèmes de fonctionnalité, c'est-à-dire des problèmes pour travailler, des problèmes au quotidien, à la maison. Et c'est vraiment ces patients-là qu'on essaye de traiter en premier lieu. Cette année, Médecins sans frontières a offert près de 8000 consultations psychologiques gratuites dans le camp de Bourj al-Barajne au Liban. Chez MSF, soigner les blessures de l'âme est une préoccupation permanente, car l'une des principales causes d'invalidité dans le monde.